faut surveiller Philippe Gélina aussi. Oh, on a presque devancé le départ, là. Allez, les voitures de la troisième ligne, on a réussi à bien s'en sortir. Le départ est bon. Le verre a été agité. On est parti pour 36 minutes. Oh, ça part dans le virage et on se tamponne. Et Julien Pilon impliqué dans l'accident. On a réussi à repartir. Oh, et on a notre spécialiste des tout droits de la course d'hier qui est là, Ballin, qui, d'après moi, au coup que ça a donné, si la roue arrière gauche ne sera pas en bon état. Décidément, la Audi numéro 23, Walter Ballin, qui est impliqué dans cet accrochage. Alors, est-ce qu'on est sur le drapeau jaune? Voilà, le drapeau jaune. Et on demande la voiture de sécurité, donc la voiture de tête, de revenir en piste. Et évidemment, on devrait être probablement reprendre le départ. Oui, définitivement, c'est un jaune généralisé. On va revoir l'incident ici. On voit Julien Pilon qui est complètement à l'extérieur. Manque de place. Et on a vu le Civic qui a essayé de fermer la porte à Bowling. Bowling a été un peu, comme on dit, un spectateur qui s'est fait coincer là-dedans. Je crois que c'est le 55 là, qui a été un peu agressif à refermer, alors qu'on aurait pu essayer l'entrée.